Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 23 du Nuzlocke Hazard. Donc aujourd'hui, T'es content de toi? Voilà. C'est un nouveau jingle en fait pour la série. Voilà. Bref, on va. On continue. Hein. Donc là, on va arriver un peu au dénouement de l'histoire. Donc, on va faire une zone. Voilà, on va faire une zone, mais après, on va aller au repère Galaxy. Putain, j'arrête. Allez, go! Allez, donc. Magica. Comme on est un peu vers la fin du jeu. On est un peu vers la fin du jeu, on a regardé un peu. Qu'est-ce que tu fous, toi? On a regardé un petit peu ce qu'il y avait comme Pokémon intéressant à choper. Et donc, on a trouvé le meilleur Pokémon du jeu. Et il faut absolument qu'on le capture. Donc, on va pas vous dire qui c'est. Mais. Oui. Concrètement. C'est bon, t'es prêt? C'est un Poké qui a 3 évolutions. Ouais, c'est bon. Alors, attends. Ah, j'ai pas de Pokémon qui a surf. Pas assez bon pour Team Galaxy. Ah, mais lol! Ah mais si, Sablero peut apprendre surf naturellement, donc je vais lui mettre, même si c'est nul. Allez, dégage. Tu me diras, c'est assez cohérent, c'est un Sablero timide. Allez. Bref, allez, je suis en train de surfer. Donc, il y a un Pokémon qu'on cherche... Qu'on chercherait... Ah bah, il y a une zone d'herbe. Ah, je suis dans la zone d'herbe. De quoi, mais de quoi? Oh. Ah mais si. Oh. Putain, mais nique ta mère! T'es où? T'es où? Mais attends, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, est-ce que je le prends? Voilà, dégueulasse. Est-ce que je le prends ou est-ce que je reset la zone? C'est quoi? Aquali. Hop. Le retour d'Aquali. Je m'attendais à un truc plus ouf que ça. Mec, il jouait. Plus ouf que ça, mec, Aquali absorbo motorisé. Ah, mais il faut aller dans la grotte? Non, pas dans la grotte, c'est la grotte de Créelf. Donc dans l'eau. Ouais non mais c'est mort, je prends Aquali, il est beaucoup trop bien, il est beaucoup... beaucoup allez, oui, qu'est-ce que il est beaucoup trop bien ce Pokémon. Allez, j'ai un Pokémon. Dans l'eau ou dans l'herbe? Dans l'eau. Ok. Franchement ça va, si j'arrive à l'avoir ça va. C'est quoi? Rhinophéros. Ah oui c'est bien. Oh putain, Rhinophéros écran fumé. Ouais ça c'est un peu nul. Moi Aquali je le prends parce que je sais que c'est un bon Poké déjà. Je sais qu'il a des bons talents, donc c'est une valeur sûre au moins. Et je regarderai après ce qu'il y avait d'autre dans la zone, mais là je prends pas de risque. Par contre, mec, s'il y avait un. Oh non, j'ai fait l'erreur du premier coup. S'il y avait un des Poké que je disais. On va essayer de le raffaiblir un coup. Ok, c'est bon. Hyperball. Putain. Donc je rappelle aussi, ça sera pas de cet épisode bien entendu, mais on va arriver à la fin du jeu, donc au légendaire, ce qu'on avait décidé c'est que on a le droit de les capturer, et si on y arrive, on... Putain il est chaud. Si on y arrive, oh c'est un mal, si on y arrive on a le droit de les échanger contre des Pokémon qu'on a perdu, donc voilà. On les garde pas hein, parce que Giratina est beaucoup trop fort, surtout s'il a un talent de ouf. Du coup, comment on l'appelle le Aquali? Mais... Je vais l'appeler. Avec n'importe quelle attaque. Je vais l'appeler Neogod. Vas-y. Alors. Dis-moi que t'as une bonne nature, s'il te plaît. Non. Il absorbe vol ce coup-là. Ok. Bon, pourquoi pas. Lâche, c'est pas la pire nature, donc ça va. Il y a une CT à récupérer. Bref, ouais, faut que j'y arrive parce que. Oh lol, j'ai rien pour me. CT ombre portée. Pour l'affaiblir. Si je le tape, je le tue. Alors il y avait Natu dans la zone, ouais bon, je crois que je suis bien content d'avoir eu Aquali. Yes, c'est bon, j'ai eu. Oh putain. Il y avait Natu, dans Aquali, il y Natu. Ouais, Natu, Aquali, il y avait Sablero, je l'ai déjà, donc bon. Moi je vais voir dans l'eau ce qu'il y aura, enfin ce qu'il y avait. Il y avait Coquille Perle, je suis refait. Hein. De nain sur nous, Rhinophéros, oui. Ouais, bon clairement j'ai bien fait. Bref, du coup, je vais regarder un peu ce qu'il y avait dans l'eau, mais du coup on va voler à Voilarock. Mais est-ce que j'ai vol dans ma team? Ouais, bah y avait Rhinophéros. A mon avis, dans l'eau, il y avait que ça. Parce que c'est des psychoquacks qui doivent être remplacés par Rhinophéros. Je pense que c'est ça. C'est pas mal, Rhinophéros. Ouais, du coup, j'ai pas vol dans ma team. Ah si, c'est vrai, Grotanemorph vol. Le fameux. Alors, on va aller à Voilarock. Quand t'as fini, tu voles à Voilarock. Qui c'est qui a vol, moi? Ah oui. Tartare. Évidemment. C'est où, voilà. C'est pas les meilleures attaques du jeu, on peut se le permettre.
Uniopolis, Bonville, voilà. Trouvé! Nice. Alors là, il faut aller, quand il y est, tu peux aller te soigner si tu veux, après il faut aller en haut à droite. Ouais, je vais me soigner et je vais voir la nature. Bon, bah pendant que tu fais ça, quand t'as fait ça, tu vas en haut à droite, tu parles au mec de la Team Galaxy qui est tout seul devant le bâtiment. Alors moi, okay. je dois me lever deux secondes, parce que j'ai mon putain de chat qui fait du bruit. Excusez-moi. Ok, mais... Merde. Discret, il est discret. Voilà, vous avez vu qu'il est discret. Je m'en fous. Ah là là, je vous jure, youtubeur, c'est un métier quand même. Le mec, il parle comme si on avait 3 milliards de vues. Il est sérieux, lui. Qui ça? Mais toi. Lol. Bref. T'en es où? Le con. C'est où en haut à gauche? Le con, il te baise. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai ta Rome. C'est vrai que j'ai ta Rome. Du coup, t'as jamais rien récupéré, toi. Les objets et tout. Tu vas te calmer, déjà. Lui, là, je parle. Ouais, mais il va te donner la Key Galaxy. N'hésite pas. Ah, mais ça, tu l'avais configuré, l'accélération. Le mec qui a dit, regarde un peu ses antennes. Ouais, peut-être. Bah, le mec qui est devant le bâtiment en haut à droite, quoi. Est-ce qu'on a des objets de soins? Ça va. Mais il se barre. Ouais, mais il va revenir. Ah, Bellado. Salut, je t'ai fait attendre. Ouais. Le moment est venu d'utiliser cette clé stockage que j'étais extorqué. Ah non, que j'ai extorqué à la Team Galaxy. C'est vrai que ça avait moins, ça avait pas trop de sens, comme je l'avais dit. Du coup, là, il y a une pierre nuit. Mais, il se passe quoi, là? Comment ça se passe quoi? Tu l'as récupéré, le truc? Bah non, il y a Belladonis qui est venu me parler, c'est tout. C'est bon, il s'est barré. Bah maintenant, tu redescends et tu vas en haut à gauche. Ok. Attention, premier dresseur de la Team Galaxy. Toilet! Eh bien, qu'avons-nous là? Pas. Un dresseur qui a perdu son chemin? Il a un Pokémon. Et c'est... Ok. Vas-y César. Je crois en toi. César est notre meilleur Pokémon. Hein. Je ne joue qu'avec... Évidemment, le Pokémon adverse a torche, hein, donc je peux pas le toucher. Hein. C'est... On commence à avoir l'habitude. Alors, attends. Non mais ça a pas commencé. N'importe quoi. Voilà. Comment je suis censé battre ce Pokémon? J'ai envoyé. Quoi? Ah merde. C'est bon, t'es tout en haut à gauche? Non. Tu sais, c'est vers le hangar, là où on avait battu avec Aurore, on avait fait un combat de Pokémon. Ah oui, mon objectif était là, ok. Ok. C'est là où on avait eu la 16 vol. Oui. Paf, ok, le premier Poké est mort. Ok, premier dresseur facile. Mais. Ta-ta-la-ta. Putain, mais. Y'a un problème. Putain, ça accélère vite. Deuxième dresseur. Allez! Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Il a deux Pokémon. Oula! Shiny! Ah non. Mec, mais je suis perdu. En haut à droite, bordel. Mais tu m'as dit en haut à gauche déjà. Oui, en haut à gauche. Comment ça, t'es perdu? Ah mais ici, ok. C'est bon, t'es au hangar? Ouais, ouais. Pêche-toi, tu vas prendre du retard encore. Ouais, ben voilà. Pas ma faute si t'es mauvais. C'est bon, on a le temps, hein. Ouais. Vous êtes pressé? Non, vous êtes pas pressé, voilà. C'est vrai. J'ai trouvé une pierre nuit, je vais pouvoir faire évoluer mon cornet. Putain, ils ont des Pokémon incroyables, hein, les premiers dresseurs. Hein. Fais gaffe. Hein. Franchement, tu risques d'être dans la merde. Tu m'as pris pour un nul. Bah, si tu perds un Pokémon contre ça, oui, je te traite de nul jusqu'à la fin de ta vie. Parce ah ouais. Je crois que c'est les Pokémon les plus nuls du monde. Go Pokémon. Ok. Ça c'est fait. Oh non, il est trop... Quoi, quand même? Niveau 49. Ah bah oui, les niveaux commencent à être vénères. Attention, il a torche. C'est quoi avec ça? Mais de toute façon, j'ai pas de Pokémon feu, donc... Ouais. Je lui mets rien. Bomber.
Au calme, mais putain, au calme. Non, mais je suis empoisonné, mais. Lilia. Ouh. Bon, ça va en niveau, on a l'air pas mal. Allez, Zbra. Coup critique, coup. Putain, merde. Ça a beaucoup de PV ce truc. Ça serait bien que je puisse trouver une CT spéciale pour. Une attaque combat spéciale, genre la CT Aura Sphère, ça serait magnifique. Pour qui? Pour Simiamraz, comme ça, Simiamraz spécial. Bon, t'as pas le droit. Close combat est fort quand même, mais. La CT Télékinésie, alors ça pour le coup c'est pas ouf. Allez, bordel. Alors, ça. Quand t'auras des téléporteurs, tu me diras, moi je sais où aller. Alors là il y a un mec. Ah bah je me le suis pris, très bien. Je voulais y aller l'affronter mais en lui parler par derrière mais j'ai pas réussi. Oula, il a un Pokémon fort. Bah, pour le coup je vais pas rester parce que j'ai pas envie de me faire défoncer. On va mettre lui. Voilà. Défense plus. Ah, c'est un counter team. Préscience, ok, point ombre. Putain, ça la one shot. J'ai trouvé mon zinc. Ah ouais. Ouais. J'ai pas regardé ce qu'il avait comme attaque. Il a des attaques de merde. Allez, n'aie pas peur. Il fait c'est un peu flippant. Ah mais non, mais il a surf mon truc, c'est vrai. Vas-y, Sablero, tu peux le faire. Go pour ça. Non mais c'est une blague, mec. Absorbo d'Hippodocus. LOL. Quoi? Ok, bah je saurais. Hippodocus Absorbo, c'est bien. Ouais, bah. Wow, putain. Ouais, bah c'est bien, mais moi ça me pose problème. Il fait un peu peur le poké quand même. Allez, feu follet. On joue strat. Hein. Machouille, ça va, ça fait rien, il est feu follet. Allez. Non, j'ai fait ombre portée, je vais faire point ombre, c'est pas grave. Ça fait 0 dégâts. Bon. Et le one shot. Double one shot. De Boursin. Il est fort ce Noctunoir quand même. Noctunoir c'est quand même un bon Pokémon. Le CD douteux. Cool. Si j'ai un P2, je pourrais le faire évoluer. J'en ai rien à secouer. Encore une CT. La CT plaquage. Oh, c'est pas mal ça. Les téléporteurs, faut aller à droite ou à gauche? À gauche. Bah attends, je suis au combat là. Ah ok, bah ça sera à gauche. C'est à droite, il y a juste une CT qui sert à rien. Bah, je fais tous les trucs parce que. Après, bah tu verras plus tard, il y a un endroit où on n'est pas obligé d'aller, mais il y a une CT donc moi je vais voir et si elle est bien, t'iras. Si elle est vraiment ouf, tu iras. Et encore, au pire t'iras en off en fait. Comme ça, on perd. Ah mais non, mais je m'en fous. Ce Pokémon, souvenez-vous. Oh, mais tous les one-shots de Tartar, il est chaud. Bah, en même temps, les Pokés sont pas incroyables. Mais on va pas s'en plaindre. C'est le nouveau milieu. À gauche, t'as dit? Ouais. C'est fait. Coucou. Putain, mais c'est incroyable les Pokémon nuls qu'ils ont. Je me plains pas, hein. ne croyez pas ça. Non, mais parce qu'après, au niveau 50, on va m'en faire les mal. Hein. Ils sont. Ouais, c'est ça en fait, c'est parce qu'ils sont pas tout à fait niveau 50, mais ils seraient niveau 50, ils seraient évolués donc. Ça va pas tarder. Hein. Ça va, bonjour, tranquille le poké là, il tape 12 fois. Pouvoir antique, il a pas les boosts, ok. Elle lance flamme, il est mort, c'est bon. Galopa. Vas-y, lance flamme, je m'en bats les steaks. Lol, j'ai failli one shot un Galopa avec lance-flamme. Ah, oh, il a rebond l'enfoiré. Oui, alors non, c'est une attaque vol ça. J'ai envoyé Muc. Galifeu, oulala. Vas-y, direct toxique. Il aurait dû faire évoluer. Il aurait dû faire évoluer son Galifeu. Ouais, c'est ça. On se demande pourquoi. Ouais, bon, la CT anti-soin, t'as pas besoin de la prendre. One shot. C'est bien bon ça. Galifeu ? Ah mais non, mais t'es pas allé au bon endroit. Ah bon ? Mais t'es où là ? Fallait aller sur le téléporteur ? Bah je suis contre un mec.
Oui, il faut aller sur le téléporteur, faut pas prendre l'escalier. Justement, c'est là-bas qu'il y a les Ah CT merde. et t'es pas obligé d'y aller. Parce Mais que c'est la merde. moi j'ai vu un mec, je me suis dit c'est là qu'il fallait aller. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit, à chaque fois qu'il y a les téléporteurs, tu me demandes. Quand t'auras pris l'escalier, tu feras gaffe parce que. Il y Mais non, a. je vais pas prendre l'escalier, je vais prendre le téléporteur au pire. Non, mais Vas-y. le téléporteur, après, il y a un escalier. Putain, il s'arrête quand le poison là, parce que oh. Tu me dis quand t'as fini ton match. Là, je suis dans les. Je viens de prendre l'escalier. Ok, donc là tu fais gaffe, tu t'arrêtes. Là Ouais. t'as descendu l'escalier. Donc là il y a une espèce Ouais. de petit passage avec une autre salle à côté. Ouais. Donc là tu passes tout en bas pour éviter le mec. Tu te mets bien en bas du truc. Comme ça tu n'as pas besoin d'affronter le scientifique. Surtout qu'il a un Pokémon assez vénère, donc si tu peux l'éviter. Et je prends, je lui parle. Oui, bien sûr. Il avait qui? Il avait Mentali, je sais plus, Hippodocus, Absorbo. Des Pokémon forts. Et après, bah, tu arrives en bas et tu prends les deux objets. Il y a le CT plaquage et il y a la clé. Et tu ouvres la porte. Et tu ressors. Il nous chope le mec? Lequel? Ah non, même pas. Non, non. Ils sont pas tous en Non, bas. lui, il te dit ouais, je sais plus, je pue, ou un truc comme ça. Voilà, après je Après. vais au centre Pokémon. Après T'es déjà tu. sorti Voilà. toi? Oui. Quand t'es allé au centre Pokémon, bah. Ouais, lol. Ah bah oui, tu l'avais jamais récupéré ça non plus. Bon, c'est pas non plus très De quoi? important. Oui, il y avait un super moment, c'est pas grave. De toute façon, on en a plein. Je me tire. Quand t'es allé au centre Poké, bah après tu vas au bâtiment en haut à droite. T'es où toi là? T'y es déjà j'imagine. Ouais, mais je t'attends, hein. Je suis pas. J'ai Ouais. arrêté personne encore. Quand t'es au bâtiment en haut à droite, tu prends la porte du milieu. Tu me dis quand t'y es? Moi je fais la causette à la meuf avec Il la. t'arrête jamais le poison dans le jeu? Bienvenue, ici c'est le QG de la team Ga. Oh pardon, c'est le bâtiment Galaxy Warlock, l'énergie cosmique, c'est trop mythique. Ça ne serait pas formidable si on maîtrisait cette énergie inépuisable? J'avoue que si. La meuf elle a fait. Elle a retaillé direct, elle a fait non. Je ne parlerai pas de ça. Salope. Nous, la team Galaxy, nous prendrons tout sans rien donner. Nous éliminerons tout ce qui ne nous est pas On a une utile. zone après! C'est notre politique galactique. Je crois qu'on n'a pas de zone avant un moment. Ah ouais? Putain, Bah c'est pas bon. avant Giratina en fait. Puisque le mont couronné c'est une seule zone. T'es dans le bâtiment ou pas? Presque. Moi j'y suis. Je fais pas le combat double parce que ça fait peur donc je les affronte séparément. Et là, je prends le téléporteur vert. Non, puisque Ah je t'ai dit de prendre la porte du milieu, espèce de singe. non. Tu me l'as pas dit ou j'ai pas écouté? Si tu m'as même dit oui. Il est con ce mec. J'ouvre la porte et je prends l'escalier, c'est ça? Oui. La porte est fermée, ah merde! On fait comment pour ouvrir la porte? Bah t'as récupéré la clé Galaxy. Quoi? Mais attends, mais t'as pas pris le bon, c'est pas possible. Mais si, je rigole. Putain, mais wesh, arrête de faire ça, j'ai fait demi-tour. Bref, let's go, Allez, tourne la tête, abruti, tourne! deuxième combat. Ah merde. Putain, Ah, c'est un combat. il faut clairement pas les faire en double parce qu'ils ont des Poké assez vénères quand même. Hein. Tu les as fait en double, toi? Non, bah non, j'ai fait exprès. Moi, de toute façon, je pense que c'est obligé qu'il te chope. Allez, paf! Putain, il est fort ce Poké. Alors par contre, je tombe que sur des Pokémon lents, donc pour utiliser Chirobal, c'est pas ouf. Putain, et l'autre qui spam chatouille là. Allez, feu follet, brûle. En fait, il a que chatouille le Poké. Après, moi ça me dérange pas. Sac de nœuds? Ouais, enfin boule de nœud. T'es déjà sur boule de nœud? Non. Coucou. J'espère que j'ai bien fait de l'affronter lui. Oh non, le coup critique! Oh ça va. T'es mort? Non, il m'a enlevé 20 PV au lieu de 10. Incroyable. Non mais. Il y a des Pokémon tellement nuls que pour l'instant on se met bien. Niveau Quoi, je 50. comprends. Ah, faut dire je suis à, on est assez bien au niveau. Mais bon, il y a beaucoup de combats donc voilà. Pokémon Go va lui défoncer sa gueule. Je vais mettre un autre Poké en premier parce que là. Je me rappelle plus, c'est là qu'il faut La aller. feuille. Ouais, c'est bien là. Je vais aller voir là-bas parce que je sais plus s'il y a des Je CT vois ou. tomber la barre de vie. Je vois tomber la barre de vie.
La barre de vie est tombée, le combat n'a pas été. C'est ça. Bah c'est bon, j'ai niqué. Un rappel max, très utile en Nuzlocke. Non mais chaque rappel max c'est un bonus sur un Pokémon qu'on peut ressusciter. Ouais, oui, oui, oui. C'est écrit dans les règles de la description. Disons ça, hein. Un tesson vert. C'est pas mal ça. L'épuisement doit te gagner. Quand tu as battu... On va voir si l'épuisement te gagne. Tu me dis quand t'as battu les deux dresseurs des combats doubles. Arbok, mec. Psst, par ici, regarde ça. La Team Galaxy est en pleine réunion. Mais pourquoi? Bah, c'est incroyable. Je ne sais pas. On dirait c'est Dark Vador, il arrive, il parle à ses clones, quoi. Cher, cher clone, membre de la Team Galaxy, merci de votre attention. D'accord. Mon nom est Dark Helio. D'accord. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une grossière ébauche. Ah mais trop fort ce poké. Marqué par l'imperfection. Il a toujours fallu se battre pour y survivre, et cela continuera. Les Pokémon et les humains, eux aussi, sont des êtres incomplets. Ah, d'accord, le mec nous taille carrément, quoi. Ainsi, nous abîmons tout ce que nous touchons. Ah, tant de laideur. J'exècre cette imperfection qui révolte tout mon être et me soulève le cœur. Putain, ce mec, c'est un philosophe, en fait. Je suis sûr, en vrai, il ferait bon prof de philo. Le monde devrait être complet. Le monde doit changer. Qui, me direz-vous, sera l'instigateur de cette révolution? Moi, Dark Helio, avec la Team Galaxy à mes côtés. Oui, vous tous, les clones, ensemble, nous nous sommes penchés sur les mythes pour en dévoiler les secrets. Ensemble, nous avons capturé des Pokémon légendaires. Incroyable. Quoi? Putain, ils sont vénères quand même, ils ont capturé des... Oula. Bah si, les lacs, à présent... Nous sommes enfin prêts à changer le monde. Prends le téléporteur ou pas? Tintintin. Le téléporteur en haut. Celui où il y a un scientifique là. Bah le premier en fait. Ok. Et là normalement t'arrives dans une salle avec plein de mecs de Team Galaxy. Nous avons le pouvoir de concrétiser nos rêves. Ouais. Ah ouais. Comprenez-moi bien, chers camarades. Go Power Rangers. Le monde parfait dont je rêve depuis si longtemps est sur le point de prendre corps. Merde. Ah, un monde n'a pas de corps. C'est de la matière, je veux bien, mais un corps, non. À tous ceux qui sont partis pour le Mont Couronné, et ceux qui restent ici, bien que notre mission diffère. Tu peux la fermer, ta grande gueule, putain. Mais je suis en train de faire les gens. Mais je ferme. Faire les sbires. Ferme ta gueule. Puisse. Je t'enculé. Puisse nos cœurs battre à l'unisson. Gloire à la Team Galaxy. Oh. Super. Hurrah. Bref. Et là, toi aussi tu fais les sbires, non, c'est moi qui les font. Du coup, t'as battu la ligue, c'est ça? J'adore cette phrase. Quel orateur charismatique, admirable pour un jeune homme de 27 ans. Ok. Bref, Belladonis, faut que t'arrêtes le hashish. T'as fini la ligue, non? Du coup. Ouais. Pendant que je lisais et tout, bref. Ah oui, si tu veux te soigner, bon, je sais pas si t'as besoin, mais tu vas pouvoir, y a des lits. Où? Bah, tu verras quand t'auras fini le blabla. Bah, oula. J'ai fini. À gauche? Bah, oui, tu fais le chemin, quoi. Ok, attends. Combat double, je le fais. Allez, je suis chaud. Un lit! I want to sleep, 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 sleep and sleep. En vrai, j'ai des bons potiers pour les combats doubles, ça va. Voulez-vous vous reposer? Ouais. C'est vrai que c'est des Pokémon incroyables, donc je suis en danger. Ah non, on est en pleine forme, on se tire. Go Tartar, va leur niquer le rempli. Excusez-moi, je mets des trucs. J'arrête pas de changer. Ouais, ouais, ça m'amuse. Les vitesses. Il m'a dit ça t'amuse de visiter le cul de la Team Galaxy sans permission, sans aucune gêne. Ouais, ouais. Et ça m'amuse aussi de dormir dans vos lits. Waylord. Rien que ça. Changeons de Pokémon. Allez, paf! Oh la patate que je... Saumur! Ça va, ça fait rien. Empiflore. Normalement, je meurs pas, à moins d'un coup critique, donc c'est bon, je peux me permettre de rester. Oh bah parfait, il a fait plonger ce con. On va switcher quand même, parce que j'ai pas envie de me prendre... un truc. On va envoyer inutile, parce qu'il est inutile. Qui c'est qui est inutile?
Ah mais je suis bête, j'aurais pas dû faire ça. Oh, vas-y, je vais le brain. Qui utilise-t-il? Mon Waylord. Enfin non, mon enfin oui, du coup, oui. Mon Métamorph. C'est bon, j'ai gagné le combat double. Alors par contre, je vais revenir en arrière pour aller me soigner à nouveau. Je veux voir la barre de vie tomber. Tu l'as fait aussi le combat double? Non, non. Tu l'as fait en simple? Non, je suis en train de faire un somme. Bah, t'arrêtes de faire des sommes. Je rigole. Frère. Non, je les ai fait. Enfin, je l'ai fait en simple au cas où. Donc ouais, là, je vais combattre la deuxième. Like. Parce qu'en fait, j'ai envie de laisser mes... Enfin, j'ai envie que mes Pokémon ne meurent pas. Oh putain, je suis arrivé. Ok, je t'attends. Ça fait depuis le début sur le Nuzlocke que je fais attention qu'aucun de mes Pokémon ne meurt, quoi, tu vois. Je t'attends. Tita. Il est temps d'affronter Helio. Pour la seconde fois. Alors, j'espère qu'il a pas des Pokémon trop cheatés. Encore une fois. Bah, en fait, et s'il en a niveau 50, il est dans la merde, il va avoir des légendaires et tout, peut-être. Bah, oui. Bah, théoriquement, oui. Il est niveau 50, parce que théoriquement, d'habitude, il est entre 41 et tout. Oui. Comme c'est plus 20%, ça lui fait quand même pas mal de niveaux en plus. Hein. Bon, 20% de 40, c'est 8, quoi. Bah, ça fait 10. Ça fait 8, tout pile. Donc, un niveau 40, il est déjà 48 avec ses ranks, donc ils seront largement 50, je pense. Ils seront 50-51 par là. Tu me dis quand t'as battu la deuxième? Ouais, j'y suis presque. Alors. T'es en train de stresser là? Je suis en train de regarder mes Pokémon. Ah oui, c'est vrai que j'ai un... Ah mais oui, mais c'est vrai qu'il est rigide ce Poké, c'est pour ça qu'il est trop bien. Qui? Mon Noctunoir. Il est trop bien mon Noctunoir. Ouais. Le seul problème de Noctunoir, c'est qu'il n'est pas d'attaque cheatée. Genre il y aurait la CT revenant, il serait hyper fort ce truc. Ou même une attaque spectre physique plus forte que point ombre, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas une attaque spectre physique qui fait 80, quoi. Dans cette génération. Ouais. Putain, mais Simiabras, il a des stats, quoi. C'est vénère. Même moi, attaque, il tape quand même fort. Donc au pire, close combat, c'est quand même fort. Est-ce que j'ai pas une CT? Une CT cohérente avec Simiabras? J'ai battu. 2 secondes. J'ai pas vraiment ça. Ouais, je te... 2 petites secondes. Alors... Ouais, c'est vrai qu'il y a la CT. J'ai pas de... Ça, je vais le mettre à quoi libre. J'ai pas d'antipara. Putain, j'avais pas d'antipara. Bah, tant pis. Ah, bah non, je Mais t'es bête, va dormir et reviens vite. 2 secondes, je vais faire un somme. Pêche-toi comme ça, après on fait Helio, on finit ce bâtiment et après on pourra s'arrêter. Et prochain épisode, on part pour le mont couronné. Cet épisode, ça a été full combat. Ah bah là, bah y a eu une zone. Hein. Après là, pour l'instant, y a beaucoup de combats, hein, puisqu'on va finir l'histoire contre la Team Galaxy. Mais c'est des combats un peu stressants quand même, parce que c'est des gros mecs. Là on va affronter deux mecs, deux boss. Hein. Là ça va être tendu. Pour quel téléporteur? Le dernier. Les autres, tu t'en fous. Okay. Et après, c'est parti. Ah, alors te voilà. Tu as entendu mon discours, j'imagine. Baliverne, que tout cela. La seule chose qui soit vraie, c'est mon intention de créer un nouveau monde. Mais dans mon monde, l'argent. Il n'y aura pas de place pour la Team Galaxy. Donc concrètement, ce mec là que vous voyez, c'est un gros bâtard. Hein. Le mec, il embauche des gens, mais il va tous les brain. Hein. Il va faire sa vie. Voilà. Que pour moi. Tu es ici pour sauver les trois Pokémon légendaires. Ouais. C'est exactement ça. Et aussi pour te détruire l'anus. Au passage. J'ai un Simiabras, donc... il a pas point de fer, mais... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a? Attends, spoil pas. Oh putain, les niveaux de ouf. Oh putain de merde. Ah ouais? Quoi? Il en a 3. Oh punaise. Ah oui, je savais pas ça. Feu follet. Ouais, bah, c'est chaud. Il est pas marrant. Ok, je l'ai brûlé. Non. Quoi? Ah non, ça va. J'ai eu peur parce que j'avais pour ça, j'ai fait intimidation et là il y a une de ses stats qui est montée. J'ai eu peur qu'il avait genre acharné ou un truc non, comme non, ça. Non, télécharge.
Putain, mais ça fait rien, Girobal. Il est classe. Ouais, j'aime bien son sprite. Putain, il est pas rapide pour un LEDL. Le reflet de LEDL. Je m'en fous. Non, il a fait une hyper potion, oh, l'enfoiré. S'il esquive toutes mes attaques, ça va pas faire. Parce qu'il est direct. Bon, je vais switcher parce que sinon ça va être un peu long. Boum, franchement. Boum. Un petit crit, s'il te plaît. En vrai, je vais envoyer. Pour Bibi. Bam, le one shot de LEDL sur coup critique de tranche nuit. Mec, c'est trop fort. J'ai envoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, trop bien! Le prochain va pas se faire rire, je crois. Mais bon, tranquille. Pour moi, en tout cas, ça passe. J'ai envoyé Métamorph et j'ai copié les stats des LEDL, du coup. Ah oui. Du coup, j'ai tous ses boosts en esquive et son boost en attaque spé. Bon, ça, c'est un peu de la merde. Oh putain, oui, il est pas marrant le prochain. Ça va, tranquille. Il est carrément. Ah, mais non, mais c'est bon, j'ai. Oh là putain! Non, 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 non. Non. Mais t'inquiète, si c'est bien celui que je pense, il tape pas fort. Donc, de toute façon, préscience, c'est nul. Ouais, ouais, ça va, il tape pas fort. Il m'a enlevé que 110 PV sur 180. Ok. On parle bien de Cresselia. Ouais, mais contre Boréal. Ouais, mais. Putain, non, il est presque tué. T'avais qui? Scorplan? Non, non, Corbus. Moi, attaque. Oh non, l'enfoiré. Reçois préscience. Ombre portée. Non, guérison. Putain, ça veut dire que son boss, c'était quand même un Cresselia, quoi. Ah, quoi que... Putain, guérison, petit. Ah, putain, mais il me fait... Genre, je lui fais zéro dégâts. Attends, j'ai pas des objets de combat. Ah si, j'ai un attaque plus. Vas-y. Alors. Mince, mais pourquoi j'ai pas fait point ombre? Moi, je suis bête. Oh, coup critique. Onde boréale. Pas de drop d'attaque, s'il te plaît. Je vais me soigner parce que là j'ai peur de me faire tuer. Tac. Pour l'instant tout va bien. Préscience. Ça va, ça fait. Ah mais non, ok, mais j'ai. Point ombre. J'ai pas. Ombre portée. Ok, Cresselia est mort. Et qu'est-ce que c'est son dernier? Oh putain de merde. Pff, ça va, mec, t'es pas trop vénère comme gars. 55! Putain. Wouah, la vache, non, pas... Danse Draco, au secours. Au secours, quoi? Au secours, au secours, à l'aide. Onde boréale, s'il te plaît, tu me tues pas. Mec, là, tu vas... Quoi, c'est quoi ça? Non, mais par contre, il est trop lent, ce truc. Là. Mec, il est pas marrant, le dernier, mais il est pas marrant du tout. Attends, normalement, il a pas de... Danse Draco, alors tu vas te calmer. Tu vas te calmer tout de suite, toi. Feu follet. J'ai raté feu follet. Putain, s'il a une attaque... C'est coup de boule. Non, il m'a one. Non. Quoi? Il m'a tué. T'as tué qui? Bah, il m'a tué. Il m'a tué. What the fuck? Bah, il a défoncé. Putain, j'ai perdu son nom. C'est quoi son nom? C'est quoi ce poké? Noctunoir. Putain, mais mec, c'était mon poké le plus bulky. Eh, mais je suis dans la merde, hein. Il est à plus 2 le truc. Hein. Il est à plus 2 dans toutes les. Attends, il faut que je sois une métamorphe et que j'arrive à me cloner. Il se perd plus 3. Mais arrête ça, espèce de monstre. Attends, mec, j'ai une question. Ah, j'ai pris croix. Il a plus 4. Mec, j'ai une question. Quoi? Oh, mec. Quoi? Cresselia est mort, mais il a fait pression avant de mourir. Est-ce que j'ai quand même me prendre l'attaque? Bien sûr. Merde. Ok. Vas-y, tu peux le faire. Non. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Putain, je suis sûr, il va me one-shot, il va me one-shot, il va me one-shot. Oh, il m'a pas one shot. Oh, ce... Oh, putain, mais il est... Oh, putain, mec, ce Pokémon est trop bien. Sablero, je t'aime. Tu as sauvé ma vie. Putain, mais tu... T'es contre lui, là, le dernier? Ouais. Putain, mais mec... Oh, le monstre. Logiquement, il a pas intimidation. Donc, séisme. Lévitation, donc séisme. Ouais, la Master Ball. Ah oui, c'est vrai qu'on a la Master Ball. Putain, je suis un connard. Putain, je lui fais rien. Ah, fais gaffe, hein, parce que il est pas marrant. Hein. Putain, comment il a défoncé Noctunoir, je suis dégoûté en vrai. Ce Noctunoir était fort. Putain, et dire qu'il y en a un autre à affronter là. Attends, moi je recule, je vais me soigner. Je vais voir le machin. Oh non, mais en plus il a une baie. Oui, bah oui, forcément.
6 coups de boule. Putain, bah n'empêche, c'était épique, hein. Putain, le mec, il sort deux légendaires, c'est... Ça rigole pas, hein. Il me tue, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il a tué qui? Trio Piqueur. Ouais. Oui, Trio Piqueur. Mais j'ai une idée. Je vais amener Tête Boursin. Et comme ça, je l'intimide. Ouais. C'est qui Boursin déjà? Ah mais Tartare. Tartare! Ouais, enfin, barre-toi, hein. Ah merde, il y a la brume, sa mère là. Je crois. Mais il a quoi? Mais il a psy coup de boule. Oui, merde. Psy coup de boule dans ce raco. Fais gaffe, hein. Moi je suis prêt pour le dernier combat là, je t'attends. Putain, comment il m'a fait mal? Ah la merde, attends, il faut que j'enlève lui de premier par contre. Je vais mettre, bah, je vais mettre Simiamraz. Bon, dans le prochain épisode, je pourrais monter Aqualie, donc j'aurai un Aqualie. Donc Nocturnar est mort, hein. Là, moi, je suis en train d'un peu galérer. Bah ouais, il s'est pas trop boosté encore. Il a plus combien? Si, ben, il a fait deux dents de Draco, mais apparemment, s'il a que petit coup de boule, je me mets bien, vu que j'ai corps en boss. Bah j'ai pas vu, j'ai vu qu'il avait dans, j'ai vu qu'il avait psy coup de boule dans ce Draco. Je sais pas, vous avez peut-être ça, parce qu'il fait que spam dans Draco, en fait. Ouais, enfin. Ouais, il a Transmis. peut-être pas de move offensif, ouais. C'est moi, il est mort. Ok, nice. Eh Mais pas de ben. coup critique, putain. Mais par contre, j'ai quand même perdu Trio Piqueur. Mais bon, de toute façon, Ouais, c'est pas bien grave. lui, il se prenait un coup, il mourait, donc je m'en bats les couilles. Putain, il y a les Chris là et tout. C'est stylé ce jeu Voilà, quand c'est même. bon. Bah, tu vas en haut à droite, tu finis le blabla, tu vas en haut à droite. Et Ok. tu me dis quand t'es arrivé devant Pluton et Saturne. D'accord. Bah, là où il y a les Chris, quoi. Mais juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner, bordel. Ah, tu vas au lit? Non, mais non, je vais juste prendre Une potion? une hyper potion, tout de suite. Ok. Allez, m'en bats les couilles, je pars dans le mont couronné, bah vas-y. Ouais, c'est vrai qu'il a colérique ce Pokémon. Putain, n'empêche, il a tanké. Ce Sablero est génial, hein. C'est vrai qu'il a 135 de défense quand même, mais il a tanké un psy coup de boule à plus 4 de Latios quand même. Plus 4. Ouais, il rigole pas le truc. Il a Sachant. pas inconscient? Non, il a colérique. Je prends le téléporteur qui est En à haut, droite. à droite, ouais. En haut, hein. Et tu suis le chemin, tu Là, vas je prends la arriver. Pokéboule. Ouais, une guérison des au calme. Guérison. Ah, c'est bien. Après, tu suis le chemin et t'arrives au Chris. Et tu vas parler au mec qui a les cheveux bleus. Toi-même, tu sais. Toi, tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon? C'est pas quelques Pokémon, c'est les meilleurs Pokémon du Salut, monde. fils de pute. Mais c'est quoi, t'es sérieux? C'est des merdes. Les Chris, des merdes, c'est toi la merde. Ouais. C'est toi la merde. Affrontons-nous. Attention, attention, attention. Bon, ne sors pas que des légendaires, s'il te plaît. Qui l'a-t-il? Ok. Quoi? Non, je rigole. Sympa, Je sympa. rigole. Niveau 50. Ok. Bourg-Bourg-Ins. Ah lol, j'ai Simiabraz. En vrai, close combat, ça tue. 100% ça tue. Putain. Et pourquoi ils ont tous brume? Ok, c'est bon, j'ai one shot. J'ai un peu flippé quand même, parce que s'il me sortait une attaque, s'il me sortait Hydrocanon à moins 1, j'allais pas kiffer. Mais bon, tout va bien. Oh putain, Pourquoi à mais. moins 1? Bah, j'avais fait close combat. Ouais. Du coup, Gardevoir. Je vais envoyer lui. À quoi j'ai? Tu clones tout hein, quand tu fais morphing, même le talent, non? Putain, mais bouge ta mère, quoi? Quand tu fais morphing, tu prends même le talent de l'adversaire. Oh putain, mec, je viens de voir son dernier Pokémon. D'accord, mais ta morph s'est fait one shot. Pff, Ah, ok. mec. Oui, Mec, je veux pas savoir. je viens de voir son dernier Pokémon. Parce D'accord. qu'il a switché. Ok. Et pour te Plaicroix! dire, Il est pas marrant. c'est bien en raccord avec Helio, quoi, on va dire. Putain, s'il a Latias. Ah, mais il est trop fort ce Pokémon en fait. Wow, Oh, stop, stop, mais stop. mec, il joue strat, il fait des switches depuis tout à l'heure. Putain, je me fais déboîter. Je me fais déboîter. Je vais me faire déboîter entièrement les fesses Par qui? par un Gardevoir de ses morts.
Oh, ça va tranquille, il est que type psy. Oh, mais Ouais, toi, non, on bosse? moi ça va pas parce que j'ai plus ma priorité et il me défonce. Quand on bosse, il va tellement péter des culs Oh alors que non, si la non, non, garde non. voir est le dernier. Toi, bosse, je compte sur toi. T'as Ah, combien par de contre, va falloir de me devspé, toi? permettre. Hop, laisse tomber. On va faire ça. T'as combien, toi? Putain, mais il tankera jamais. Ah, faut que je perde un poké. Je perds qui? Yes! Attends, qui c'est qui est le plus fort? Alors, qui est-ce qu'il envoie? Regarde voir. Ouais, non, mais Changer. je perds à lui, hein, j'ai pas le choix. Non, Bonjour, poisson. Sablaireau, il est mort. Ma foison, c'est tellement un PGM là. Attends, contre Elio, là, il a fait le taf face à Latios. Là, il reste Gardevoir et un autre contre qui il peut bien faire Ok, le taf. Gardevoir est mort. Possessif. Mais tu vas voir le dernier. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'en étais sûr. Boum! One shot de Gardevoir. Ouais, alors par contre, je le passe comment? Et la tias, continue le combat. Il a quoi comme truc? Il a pas des moves trop cheatés, j'espère. Pour l'instant, moi, il a juste fait balle météo. Ok. Et tranche nuit. Putain, Soin. Ah, il a soin. il a psy coup de boule. Ah! Oh, ça va. Ça va, ça fait pas trop mal. Il a soin. Ok, j'ai fait grincement. Ok. Ok. La strat est simple. Il suffit qu'il rate un psy coup de boule et je peux le taper. Donc c'est pas très compliqué. Oh, je l'ai presque one shot. Ah, déjà, c'est à peine un 2HKO. Ça se joue sur un roll. Balle brume. Ah. Ah, ça, c'est Bah c'est bon chiant. mec, j'ai gagné. Oui, mais moi, pas encore. Par contre, il est chiant. Corboss, c'est tellement un PGM mon gars. Il a passé Gardevoir, Latias, Latios, tranquille. Ça va que les balles brumes, il n'y en a pas beaucoup. Trop fort ce truc, c'est bon j'ai gagné. Heureusement qu'on s'est pas limité en objet de soin. Tu veux que je Hein. fasse le blabla? Vas-y, Mec, si je fais tu le veux. De toute blabla? façon, moi, on va arrêter l'épisode quand j'aurai fini mon Ouais. match. Ah! D'où te vient cette puissance? Soit, fais ce que tu veux avec ces trois Pokémon. C'est quand qu'il a Il plus d'attaque, ce Latias de merde? te suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Et tout le temps, ce mec, il est chelou, il a plein d'accents différents. Mec, En plus, ils sont tous mal faits, quoi. je crois que je suis tombé sur... Ah, ça y est, il a raté son attaque, direct toxique. J'appuie sur le bouton ou je t'attends? Vas-y, appuie sur le bouton. Oh yes! Je l'ai pas one shot, mais je l'ai empoisonné. C'est bon, j'ai gagné. Nice! Gros nul, Quoi? va. Allez. Ah, t'as On a... fini? Et là, les légendaires qui sautent Rocher. TP. A fabriquer une chaîne rouge On a afin de fabriqué. cristaux qui a dérobé trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont Couronné. Apparemment, elles sont aussi nécessaires à la création d'un chouï quelconque. Je pense que c'est une chaîne de YouTube. Je ne vais rien dire d'autre. Bref, sur cette blague assez Tu nulle, on va arrêter cet épisode qui est assez te long. calmes! Mais bon, qui était intéressant, on a fait la Team Galaxy. Excusez-moi, dans le prochain épisode, on part sur le Mont Couronné. Et Et les choses sérieuses vont commencer. dans les commentaires, hashtag Corbos le BG. Ouais, Corbos le et PGM. hashtag stop les légendaires aussi. Non, on va pas mettre enlever le hashtag, ça sert à rien. Stop les légendaires, ce serait pas mal. Allez, Enlevez les commentaires aussi. ouais, mettez pas de commentaires après. Allez, salut tout le monde. Salut.